Bonjour à toutes et tous, c'est Thomas de chez DefiTech. Aujourd'hui, avec mon père pour une vidéo pour vous expliquer comment faire un pain. Alors pourquoi on fait cette vidéo? C'est une vidéo pour... On a beaucoup de clients en magasin qui nous demandent « Tiens, j'achète une machine à pain, là on va faire ça sur une Panasonic, une super bonne machine, mais comment fait-on? Est-ce qu'on doit suivre le mode d'emploi ?» Bien évidemment, on suit les modes d'emploi, ça existe toujours, mais j'ai fait appel au spécialiste du pain qui a ses petits trucs et astuces, et on va l'écouter, vous allez voir, c'est super intéressant. Bonjour à tous. Eh bien, la base du pain, mais c'est bien connu, c'est la farine, c'est de l'eau, du sel et de la levure, évidemment. On peut, à partir de là, utiliser plusieurs variantes. Le sucre pour donner un goût particulier, très doux, mais qui a tendance à activer l'effet de la levure. Et évidemment, on peut y ajouter aussi des matières grasses, du lait entier, ou bien du beurre. Du beurre, c'est bon. Du beurre qui rend le pain plus moelleux et qui se conserve plus facilement. Enfin, on met autant de sel que de sucre ? La même quantité. La même quantité, ok. Même quantité. La même quantité, suivant le type de pain. Et la farine que tu utilises, c'est quoi ? Alors, c'est de la farine ici blanche, bio. Bio, donc c'est de la farine. C'est un pain bio, ça, les gars. C'est un pain bio. Alors, la farine blanche et la farine de la forêt noire que nous mélangeons, 50-50. Ah, donc c'est deux farines différentes ici. La farine de la forêt noire, qui est de la farine blanche bio, avec de l'épeautre, du seigle et des flocons d'avoine. Et donc, on commence toujours par verser la levure. Voilà. Donc c'est la levure en premier. Ensuite, pour éviter de mélanger le sel avec la levure, le sel a tendance à neutraliser l'effet de la levure, nous versons la farine. Voici. Et c'est tout, on met juste ça comme ça. Absolument. Ensuite, le sel ou le sucre, peu importe, l'un ou l'autre. Mais ils peuvent rentrer en contact, le sel et le sucre. Sans aucun problème. Il y a juste la levure qui ne peut pas rentrer en contact. On peut, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez y ajouter la matière grasse, c'est maintenant qu'on peut ajouter la matière grasse. Donc, encore une fois, le lait ou le beurre. Et puis, on verse l'eau, la quantité d'eau qui correspond au poids du pain que l'on veut réaliser. Mais nous, on ne met pas de lait ou de beurre. Ici, non. Ici, en l'occurrence, on l'a fait. Okay. On a juste ajouté le sucre. Puis. Et si on met le lait, on ne met pas d'eau? Alors, il faut évidemment, suivant la quantité de lait que l'on met, mais il faut diminuer la quantité d'eau puisqu'il faut respecter une quantité de liquide suivant le poids. Alors si on met du beurre, justement, il rend le pain plus moelleux et il se conserve plus facilement. Il se conserve plus longtemps avec du beurre. Un peu. Ah, j'aurais dit le contraire. Il reste beaucoup plus moelleux. Je récapitule. La levure, on a mis la farine le sel et sucre en même temps. Non, la farine, le sel et sucre en même temps, bien sûr. Et l'eau. L'eau, tu l'as mise froide? Non, il est préférable de la mettre tiède. Tiède a tendance à activer l'effet de la levure, à faciliter donc le travail du pain. On met le programme correspondant au pain que l'on veut réaliser et à partir de là, la machine fait tout le reste. On ne s'occupe plus de rien. Au niveau des quantités. Montre en main les préparations, ça prend une minute. Quand on est habitué, une minute, montre en main le pain. Au niveau des quantités, on suit exactement ce qui est mis dans le bouquin de ou de préférence. Okay. On ne peut pas commencer à improviser. On peut légèrement improviser, mais il est préférable, parce que tout ça a été testé en usine, il est préférable de respecter donc les quantités et les ingrédients qui conseillent. Je pense que ça peut varier également selon les machines. Donc c'est vraiment le mode d'emploi de la machine qui détermine les quantités. Ah ben on va mettre cuire. Voilà. Nous mettons évidemment la cuve à l'intérieur. Ça se clipse un quart de tour, comme vous pouvez le remarquer. Voici. Et à partir de là, on choisit le programme qui correspond. Donc voilà, je vais faire un tour ici pour voir le pain. Ici, le pain blanc, il me dit 4 heures. Voici, je sélectionne le type de pain que je réalise. C'est la taille. La taille du pain, donc le poids du pain. Donc là, c'est un large. C'est un large, voici. On choisit également la croûte, si on la veut claire, moyen ou plus dorée. Ici, en l'occurrence, nous allons la faire plus dorée, dark. Voilà, le pain est à la cuisson, il est parti pour 4 heures avec un super mélange. Mais évidemment, pour vous montrer, on n'allait pas attendre 4 heures, on a réalisé hier soir un pain qui est sorti. Donc ça, c'est bien avec une croûte dorée. La meilleure façon de faire, c'est qu'on va goûter. Voilà, le pain est bien moelleux. Il est moelleux. Et un parfum absolument super. Nickel. Excellent. Oui, parfait. Voilà. Voilà tous les trucs et astuces pour faire votre pain vous-même. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur Facebook, sur Pinterest, sur notre webshop. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. À bientôt.